Et salut à tous, c'est Melo Kimiko, j'espère que vous allez tous très très bien. Désolée si par moment j'ai la voix cassée, je me suis levée il y a pas très très longtemps, genre il est 17h et voilà, j'ai encore un peu la voix pétée. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur Movie Star Planet, de toute façon on se retrouve sur Movie Star Planet. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très important moi je trouve sur Movie Star Planet, c'est les pervers tout simplement. Donc en fait je me suis amusée la nuit dernière à traquer un petit peu les pervers sur Movie Star Planet, donc j'en ai trouvé quelques-uns, pas trop, mais ça sera des petits exemples et on va dire que ces vidéos je les ferai en plus. Parties. Donc j'en ai trouvé quelques-uns et ces pervers, nous pouvons les trouver vers 5h du matin, 4h du matin, enfin ils sont là la nuit en fait, les prédateurs arrivent la nuit après le couvre-feu et du coup j'ai pu en traquer quelques-uns. Faites très attention à vous parce qu'il y en a de plus en plus sur le jeu et j'ai vraiment pas envie que vous fassiez avoir et tout à cause d'un Snapchat ou d'une photo un peu envoyée à l'arrache et tout. Faites très attention à vous et ne vous faites pas avoir par ce genre de personnes, ils sont très très toxiques. Et là je parle vraiment très sérieusement parce que voilà, même si j'ai 24 ans, je ressens quand même une petite gêne à chaque fois qu'un mec en fait m'envoie un message en me disant est-ce que tu es nude, et je trouve ça vraiment très déplacé et malsain, sachant que nous sommes quand même sur un jeu pour enfants et que ici ce n'est pas un coin pour pervers. Donc j'en ai eu quelques-uns, donc il y a plusieurs, j'ai eu plusieurs messages déjà. Donc on va commencer par celui-ci, donc c'est le French Boy. Donc le French Boy il m'a tout simplement dit salut, non attends, il m'a dit SDKKK, je sais pas ce que ça veut dire SDKKK, donc je lui ai fait quoi, enfin genre voilà, salut ça va, oui t'as quel âge, je lui ai, voilà, j'ai fait semblant de dire que j'avais 12 ans pour voir sa réaction et pour voir ce qu'il allait me dire, vu que de toute façon nous sommes censés être sur un jeu d'enfant et que le jeu est interdit aux majeurs. Rappelons-nous que voilà, les majeurs ne sont pas la bienvenue sur ce jeu. Donc voilà, ah ok, tu vois, déjà directement dégoûté, 12 ans quoi, enfin voilà quoi, on peut rien faire avec une gamine de 12 ans quoi, tu vois, à part les plus gros pervers s'attaquer à moi. Il est 5h, ok, il m'a dit tu dors pas, machin, je dis non. Bon, ça s'arrête là, le mec est plutôt soft, même si je pense que je lui aurais dit que j'étais plus vieille, il m'aurait peut-être demandé mon Snapchat. J'en ai eu un autre, donc salut yo, ça va, oui, ok, ok. Là, j'ai pas voulu aller plus loin, mais je sentais que le mec, voilà. Ensuite, on a celui-ci qui me dit, alors par contre, j'affiche les pseudos et tout, je m'en fiche complètement, hein. J'affiche tout, moi, je... y a pas de cachet, en fait, on s'en fout. Donc, voulez-vous un nettoyage de talons? Qu'est-ce que ça veut dire, nettoyage de talons? Comment ça, que je nettoie vos talons? Mais ouais, je pense que le mec, en fait, c'est un fétichiste des pieds, je pense. Ah bon? Oui. Ok, tu veux bien, mais pour faire quoi? Bon, rien, laisse tomber. Tu voulais juste voir les pieds d'une petite fille? Non, MDR. Ah, j'ai eu peur. Je te trouve juste sublime. Je me suis dit, je vais arrêter là, parce qu'en fait, le mec, clairement, cherchait juste des yep, en fait. Je sais qu'il y a des fois, chez les gens, c'est une pratique d'aimer les pieds et tout ça, machin, mais je trouve ça tellement malsain, genre, laissez ça tranquille, genre, arrêtez, vous êtes dégueu. Voilà, Martak. Donc alors là, Martak, voilà, bon, bah, désolé pour l'affiche, hein, mais bon, tant pis, c'est fait. Salut bébé, carrément, enfin, qui es-tu pour me dire bébé, genre allô. Salut, tu vas bien? Oui. Tu haines donc, tu nude forcément. Le choc de fume. J'ai pas compris là le truc. En fait, j'ai dit j'ai 12. J'ai 12 ans quoi. Tu veux quand même? Bah, je suis jeune. J'ai 15. MDR, moi aussi je suis jeune. Ok. Et là, il m'a envoyé son snap. Clairement. Mais en fait, mec, t'as un grain dans ta tête, en fait, d'envoyer ton snap comme ça, là. Surtout que tu sais même pas qui sont les gens et tout, et toi, t'es horrible, t'es malsain. Laissez ça de côté, genre, continuez pas de parler avec ça, signalez ça. Vous savez quoi? Même, répondez-leur, même pas, bloquez-les direct. Donc, nous avons le petit gourmand, également. Donc, le petit gourmand, et c'est un petit fou, lui, hein. Attention. Un petit pervers, voilà. Donc, coucou, trop mimi ta tenue. Bah, voilà, merci. Enfin, c'est gentil. C'est très gentil. En vrai, t'es habillée comment? Pourquoi? Par curiosité. Bah, je suis habillée, quoi. Bah, voilà, quoi. Tenue légère. Si je te dis oui, tu vas dire quoi? Moi, t-shirt et bas. Ok. Toi aussi? Oui. T'enlèves rien pour l'instant? Bah, non, pourquoi? Bah, moi, t-shirt et bas, ça me va, quoi. Je dors comme ça. Comme ça, pour savoir. Ok. Tu me le dirais. Pourquoi faire? Pour être bien? Pour être à l'aise? Ok. Ça serait cool, non? Ouais, peut-être. J'aimerais bien de être à l'aise, là. Bah, ouais. Ça serait totalement des réponses bateaux que les gens te donneraient, en fait. Genre, le mec te demande est-ce que tu veux être à l'aise? Bah, ouais, en fait. Enfin, les gens aiment bien être à l'aise. Tu veux qu'on retire tout? J'ai 12. C'est un peu gênant, non? Non, c'est pas gênant, c'est bien. Ah d'accord. Oui. Du coup, on retire tout. Tu es mineur aussi. 18, ça te dérange pas quand même? Ne t'inquiète pas, d'accord. Fais-moi confiance. T'es prête? Les mecs, stop! Au bout d'un moment, arrêtez quoi? Allez tremper votre biscuit ailleurs. Pas sur Movie Star Planet. Genre, c'est nimp.
Genre le mec est fier parce que j'ai 12 ans. Faites vraiment attention à vous. Même 15, 16, tous les âges. Faites gaffe à vous les meufs en fait. Là, je me suis juste fait passer pour une gamine parce que les gamines sont souvent, voilà, les plus, on va dire, les plus vulnérables. Elles font pas forcément attention. Le mec, il est trop sale quoi. J'ai failli vomir. Voilà. C'est quoi le petit gourmand? Si tu passes et tout, on sait jamais que tu captes. T'es sale. Dégage. Pas sur des sites de rencontres. Du coup, voilà pour les premiers prédateurs que j'ai pu visualiser cette nuit. Je vais continuer à faire ce genre de petits loulou. Si ces vidéos vous plaisent, du coup, je pourrais continuer à regarder un petit peu ce qui se passe et tout. Les mecs un peu... Vous voyez, un petit peu... voilà, un peu... Voilà. En tout cas, c'est une prévention de ma part. Faites vraiment très attention à vous, même si c'est un jeu pour les enfants. Et en fait, maintenant, il n'y a plus de limites. Les gens viennent, si c'est pour du huc, si je pourrais dire, ils le feront. Donc faites juste attention à vous, les nanas. Après, il y a les garçons aussi. Hein. Faites attention totalement à vous aussi. Hein. Il y a aussi des prédatrices. Hein. Donc là, le sujet est plus sur les prédateurs, les pervers de Movistar Planet. Faites très très attention parce qu'ils sont de plus en plus nombreux et j'ai vraiment pas envie que vous fassiez avoir. Et voilà, bloquez-les, signalez-les. Enfin, non, ne les signalez même pas parce que ça ne fera rien de plus. Movistar Planet ne fait pas grand-chose. Donc juste bloquez-les et c'est tout. N'essayez même pas de discuter avec eux, à part si vous êtes une personne qui a envie d'aller plus loin, mais laissez ça tranquille. On ne sait pas sur qui on peut tomber, on ne sait pas voilà, quel peut être le bout de cette histoire et ça peut avoir de graves conséquences. Donc faites juste très attention à vous, ne faites rien, ne bloquez-les et c'est tout. Voilà, c'était ma petite vidéo, on va dire, sur les préventions des petits pervers sur Movistar Planet, ou les petits coquins, surtout les petits gourmands. Dédicace à toutes les personnes qui sont passées dans ma vidéo. Et moi, sur ce, eh bien, je vous fais de gros bisous, et si cette vidéo vous a plu, eh bien, j'en referai une. Et moi, en tout cas, je vous fais de gros bisous, et s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez que je parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, et eh bien, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde !